Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 21 février 2018 sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Plusieurs dossiers ont été examinés au cours de la séance. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, Décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale ad hoc chargée d'élaborer les décrets et arrêtés d'application de la loi numéro 2015-18 20 du 1er septembre 2017 portant statut général de la fonction publique. La nouvelle loi sur la fonction publique a prévu, en son article 395, la prise de tests d'application pour fixer les modalités de mise en œuvre de certaines de ces dispositions. Il s'agit précisément de 47 décrets et de 8 arrêtés. La rédaction de ces tests nécessite la mise en place d'une commission qui procédera avec l'expertise et la célérité requises à l'accomplissement de cette tâche en vue de la parution rapide de ces actes réglementaires. La commission ainsi créée comprend des représentants de l'administration centrale, des départements, des collectivités territoriales ainsi que des universitaires, des partenaires sociaux et des personnes ressources. Deuxièmement, décret portant modification des articles 1er et 2 du décret numéro 98-453 du 8 octobre 1998, fixant les modalités d'application de la loi numéro 90-02 du 9 mai 1990, portant code des investissements tel que modifié par la loi numéro 90 33 du 24 décembre 1990. La demande croissante des pays de l'Interland en produits pétroliers a rendu nécessaire l'extension au domaine des hydrocarbures des activités de sociétés éligibles au régime spécifique du code des investissements. Ainsi, le nouveau décret intègre la construction et l'exploitation de dépôts d'hydrocarbures liquides, gazeux et dérivés. Au terme, à terme, il est attendu que le volume des investissements dans ce domaine s'accroisse de façon considérable. Ces investissements contribueront à renforcer les capacités de stockage et de distribution du Bénin en ses produits, ce qui le conforte dans sa vocation de pays de transit et de service pour ses voisins ne disposant pas de façade maritime. Troisièmement, décret portant nomination des membres du conseil d'administration de l'agence pénitentiaire du Bénin. L'agence pénitentiaire du Bénin a été créée par le gouvernement en décembre 2017, en vue d'assurer une gestion déconcentrée et efficiente du patrimoine et des ressources dans ce secteur et d'asseoir une administration pénitentiaire pertinente. L'installation du conseil d'administration de cette agence permet d'engager de façon diligente la mise en œuvre de la politique pénitentiaire du gouvernement en perspective l'accentuation des efforts en vue de l'amélioration des conditions de détention dans notre pays en les élevant aux normes internationales prescrites en la matière le garde des sceaux ministre de la justice et de la législation est instruit à l'effet de conduire efficacement ces réformes au titre des communications sous cette rubrique, le dossier suivant a été approuvé. Il s'agit de la mise en formation initiale de 77 auditeurs de justice. Le Conseil a approuvé cette communication du garde des sceaux, ministre de la Justice et de la législation, qui lui permet de mettre en formation initiale 77 auditeurs de justice en vue du renforcement du personnel magistrat au sein des juridictions nationales. Les auditeurs effectueront deux années de formation académique et de stage, complétées par des sorties pédagogiques externes dans un pays de la sous-région. Le ministre de l'économie et des finances mettra à disposition les ressources nécessaires pour couvrir les frais qu'engendre la dite formation. Au titre des comptes rendus, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, a rendu compte au Conseil de la décision prise par le président de la République par décret présidentiel et en vertu des prérogatives que lui confère l'article 60 de la Constitution de commuer les peines de mort prononcées par les juridictions nationales en peine de reclusion criminelle à perpétuité. Il en résulte qu'aucune personne condamnée à mort ne se trouve dans les prisons du Bénin. Cette décision est la conséquence de la position de notre pays en faveur de l'abolition de la peine de mort et de la ratification par l'État du protocole facultatif au pacte international relatif aux droits civils et politiques. La Cour constitutionnelle avait déjà, dans sa décision du 4 août 2012, jugé qu'aucune disposition légale ne doit plus faire état de la peine de mort et dans celle du 21 janvier 2016, que l'entrée en vigueur de ce deuxième protocole facultatif rend inopérante toutes les dispositions légales prévoyant comme sanction la peine de mort. C'est donc pour toutes ces raisons et pour tenir les engagements du Bénin au plan international que le Président de la République a pris cette décision majeure au plan de la promotion et de la protection des droits humains, dans le respect des procédures établies. Le Conseil supérieur de la magistrature en a été saisi et a donné son avis favorable le 15 février 2018. Le président de la République a, le même jour, pris le décret qui consacre cette mesure, permettant ainsi à notre pays de se hisser au rang des nations modernes qui prônent le respect de la vie humaine. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche à la 30e conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à Khartoum, au Soudan, du 19 au 23 février 2018. La participation du Bénin aux réunions statutaires de l'Organisation des producteurs de pétrole africains du 19 au 30 mars 2018. L'Organisation à Cotonou du 17 au 21 avril 2018 de la septième édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. Enfin, au titre des mesures individuelles. Les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de la Justice et de la Législation, greffier en chef de la Cour suprême, M. Prosper Jossou. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la Cour suprême, président de la Chambre judiciaire, M. Sourou Innocent Avoyon, procureur général près la Cour suprême, monsieur onésime girard madoude à la cour d'appel de parakou. président de la cour d'appel de parakou. monsieur edouard Ignace Gaï, à l'inspection générale des services judiciaires. inspecteur. monsieur arsène tapochichi. monsieur jean stanislas santana. Madame Jeanne Ayes ayadoukou. au ministère de l'Économie et des Finances, sur proposition du ministre, coordonnateur national de l'unité technique d'appui à l'ordonnateur national du Fonds européen de développement, Monsieur Septim Ulrich Azonundo. Je vous remercie. Les dernières. De mort prononcée dans notre pays date de 1999. Et donc il y a un moratoire sur le prononcé de la peine de mort. À ce moratoire sur le prononcé de la peine de mort s'ajoute un moratoire sur l'exécution de la peine de mort qui date même d'avant 1999. À la suite de cela, le Bénin a adhéré au protocole facultatif, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, lequel protocole facultatif porte justement, engage l'État à abolir la peine de mort. Nous sommes donc dans une posture, dans une position abolitionniste. Vous ajoutez à cela le fait que la Cour constitutionnelle, à plusieurs reprises, a considéré que, et avec raison, que... Aucune référence ne doit plus être faite dans notre législation sur la peine de mort. C'est d'ailleurs pour cela que le Code de procédure pénale ne comporte plus de référence quant à la peine de mort. Mais la situation de fait est que nous avons actuellement dans nos maisons d'arrêt, jusqu'à la prise de ce décret, environ 14 personnes qui sont condamnées à mort dont il faut déterminer le sort. Le président de la République a pris la mesure de la situation et a consulté, comme les tests le lui indiquent, le Conseil supérieur de la magistrature sur donc la commutation, donc la transformation des peines de mort en peines de reclusion criminelle. Cela fait de notre pays de manière entière, de manière parfaite un pays abolitionniste. Je voudrais insister sur les éléments de langage, parce qu'il arrive, bien entendu, que certains acteurs même du monde judiciaire considèrent que le Bénin, pour autant que euh, l'abolition de la peine de mort n'est pas prononcée, n'est pas faite dans la loi portant code pénal, le Bénin pas en, ne serait pas encore un État abolitionniste. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques est d'application directe dans notre pays. Et c'est d'ailleurs pour cela que le président a tiré toutes les conséquences. À partir de ce décret, le régime spécial appliqué aux condamnés à mort est aboli, est supprimé dans nos maisons d'arrêt. À partir de ce décret, les dispositions particulières relatives à la distinction du quartier des condamnés à mort des autres détenus, notamment des personnes. Et étant condamné à des peines de reclusion à perpétuité, cette distinction disparaît. Et à partir de ce moment, nous sommes engagés, en ce qui nous concerne, à l'effet d'instruire les différents régisseurs pour donner une suite réelle et prompte à ce, à ce décret. Vous savez que depuis quelques mois déjà, la loi portant Statut général de la fonction publique est en vigueur. Vous savez aussi que cette loi renvoie dans, par certaines de ses dispositions aux décrets et aux arrêtés pour qu'une suite réelle soit donnée, lui soit donnée. On a dénombré environ 47 décrets et 8 arrêtés. Le gouvernement. Dans la perspective de donner une suite effective à la loi sur la fonction publique, a constitué donc une commission en charge d'élaborer les projets de décret, d'élaborer les projets d'arrêté. Cette démarche-là vise à faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans l'élaboration de ces décrets-là, qu'il y ait une efficience dans la prise de ces décrets. Et vous aurez observé que les membres de ces commissions sont de véritables sachants. Ce sont des personnes relevant de l'administration centrale, des personnes qui sont, je veux dire, désignées par les partenaires sociaux, des universitaires, et donc qui s'emploieront à proposer au gouvernement les décrets dont la mise en œuvre appelle en fait la mise en œuvre correcte de la loi elle-même. Quant à la première question, je suis baudant que vous m'invitez à faire le constat de l'agitation, puisque vous n'avez pas réellement posé une question. Ayant euh, hein, le sentiment que, au fond, la question que vous posez, c'est de savoir si le gouvernement fera application de la loi en vigueur euh, en matière d'exercice du droit de grève, je, vous, je vais vous dire absolument oui. Euh, euh, si le gouvernement, avec les partenaires sociaux, avec les travailleurs, ensemble, en toute responsabilité, vont assumer les conséquences des actes respectifs, je veux vous dire avec enthousiasme que je l'espère. En ce qui concerne la deuxième question, sur donc euh, le, euh, en fait, le lieu auquel la conférence nationale s'est déroulée, c'est notre patrimoine. La conférence nationale fait partie non pas seulement de la culture béninoise désormais, de la culture africaine. C'est un repère fondamental. Alors de ce point de vue, vous savez bien que cela fait partie du programme d'action du gouvernement, de sa démarche en vue de protéger le patrimoine culturel, le patrimoine touristique. En temps opportun, les démarches qui sont faites. Pour redonner vie à cet espace, à ce lieu, à cette valeur que nous avons, ces démarches vous seront rendues publiques. Votre préoccupation vient à propos. Je pense que c'est la préoccupation de la majorité de nos compatriotes. Euh, vient à propos pour porter quelques, non pas seulement les informations, mais des précisions. La première, c'est de dire, oui, que nous avons transmis à l'Assemblée nationale la demande formulée par les autorités judiciaires, notamment le procureur général près de la Cour d'appel de Cotonou, à l'effet d'inviter l'Assemblée nationale à prendre les, la, des décisions que lui confère la Constitution, de premier pas à travers l'article 90 et de seconde pas à travers les articles 136 et 137. Donc, ce sont les autorités judiciaires qui ont formulé la demande. Bien évidemment, dans les relations institutionnelles, il appartient au gouvernement et au ministère dédié de transmettre les demandes formulées par les autorités judiciaires. La deuxième précision, j'ai évoqué quelques dispositions. Donc, il y a deux, je veux dire, deux types de demandes. Le premier, fondé sur l'application de l'article 90 de la Constitution. C'est-à-dire que les autorités judiciaires envisageraient d'engager des poursuites à l'encontre des personnes qui sont actuellement députées à l'Assemblée nationale. L'article 90 de la Constitution dit bien entendu que cela ne peut intervenir, donc la décision de poursuite ne peut intervenir que lorsque, alors qu'elle est en session, L'Assemblée nationale prend la décision de lever de l'immunité parlementaire, ou bien, alors qu'elle n'est pas en session, le bureau de l'Assemblée nationale prend cette décision. Donc ça c'est le premier lot, me semble-t-il, il y a trois députés dans ce cas. Mais le deuxième type de demande, c'est sur le fondement des articles 336 et 337, qui impose non pas aux autorités judiciaires et encore moins au gouvernement qui n'a rien à y voir, impose à l'Assemblée nationale de prendre la décision de poursuite. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale, lorsqu'il s'agit des ministres en exercice ou d'anciens ministres suspectés de faits quelconques à l'occasion de l'exercice de leur fonction ou dans l'exercice de leur fonction, la décision de poursuite, c'est l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui est le procureur, pour ainsi dire, lorsqu'il s'agit des ministres ou ancien ministre. Ce que les autorités judiciaires ont souhaité avoir, c'est cette décision de poursuite. Pour les hommes et les femmes, les citoyens ordinaires, la décision de poursuite, c'est le procureur de la République. Mais pour les ministres, c'est l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'il y a trois personnes qui sont dans ce cas. Donc, la décision même de poursuite, c'est l'Assemblée nationale qui prendra cette décision. Ça me permet d'apporter une troisième précision. Parce que dans l'opinion, on parle d'acharnement, on parle de décision du gouvernement. Vous aurez compris, après cette explication, qui n'avait pas lieu d'être apportée si on avait lu la Constitution, que le gouvernement n'est pas à la manœuvre dans ces deux, deux cas. Qui plus est, en ce qui concerne les ministres, le procureur, c'est l'Assemblée nationale. Ce n'est même pas le procureur général, ce n'est pas le procureur de la République qui prendra une quelconque décision de poursuite. C'est l'Assemblée nationale qui prend la décision de poursuite et c'est l'Assemblée nationale qui prend la décision de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Et de ce point de vue, la poursuite est essentiellement liée à une décision politique et la mise en accusation est tout aussi liée à une décision politique. Alors, si les personnes, je parle des, des ministres, sont. Euh, la décision est prononcée par l'Assemblée nationale. On ne saurait tirer la conséquence que ce sont les autorités judiciaires ou le gouvernement. En ce qui concerne les députés, l'autorisation est donnée par l'Assemblée nationale au procureur de la République d'engager au parquet, d'engager les poursuites nécessaires. Mais nous n'en sommes pas là. Il y a, conformément à la mise en œuvre de notre Constitution, aux dispositions constitutionnelles, il n'y a que dans ces affaires l'Assemblée nationale a un rôle prépondérant à jouer. Le gouvernement se satisfait d'avoir pris les dispositions qu'il faut, d'avoir mis les autorités judiciaires en mesure d'exercer leurs prérogatives et attend bien entendu que l'Assemblée nationale exerce les siennes, peu importe par ailleurs le sens dans lequel elle irait, mais que chacun sache que ce n'est pas le gouvernement qui irait à l'Assemblée nationale pour voter la poursuite, ce n'est pas le gouvernement. Qui irait à l'Assemblée nationale pour lever l'immunité parlementaire de certains députés. Mais c'est essentiel pour, chaque, pour notre État qu'il y ait tout au moins la crainte de la punition, qu'il y ait tout au moins la crainte de la responsabilité. Un État ne se construit pas lorsque ses gouvernants n'ont aucune crainte. Je veux rappeler que dans la plupart de ces dossiers, des procédures ont été ouvertes que des personnes sont placées en détention provisoire, que des personnes sont poursuivies, les unes devant les juges d'instruction, pas les juges d'instruction en information, les autres devant les juridictions correctionnelles. Il n'est pas normal que parce que l'on a des privilèges politiques ou juridiques, qu'il soit consacré une impunité générale à l'égard des personnes ayant exercé des fonctions éminentes. Dans, au, sens, euh, au sens gouvernemental. Et donc, de ce point de vue, le gouvernement comprend que les autorités judiciaires puissent solliciter soit la levée de l'immunité, soit la décision de poursuite de l'Assemblée nationale. Vous savez, les patronymes que vous prononcez suffisent à, à dire de quoi il est question. Seulement, quel... Quelles conséquences on peut tirer Quelle lecture, je veux dire, on peut faire des décisions rendues par la Cour constitutionnelle dans les deux cas qui s'est déclarée incompétente euh, Pour l'ancien maire, le fait de soumettre à la Cour constitutionnelle euh, la question de savoir si la mesure dont il a été l'objet est contraire à la Constitution serait une violation des droits humains. Et pour le capitaine Trépeau, le fait de savoir si la mesure dont il a été l'objet, qui a été critiquée, qui a été commentée, je, euh, je veux dire, de manière forte, si cette mesure est une mesure qui viole ses droits individuels. La Cour constitutionnelle dit non, qu'elle cons qu considère que c'est un contrôle de la légalité, ce n'est pas un contrôle de constitutionnalité. Et si vous savez bien que sur le terrain des droits de l'homme, elle revendique elle-même qu'elle est le juge suprême. Sa décision, qui n'est pas allée dans ce sens, peut donc laisser penser, et c'est la réalité, qu'il n'y a aucune violation des droits humains dans ce sens. Et le gouvernement est soulagé de savoir que les autorités compétentes, dans les procédures qu'ils ont mises en œuvre, n'ont pas violé les droits des personnes indiquées.